Elle est connue des Français pour ses multiples talents d'actrice, de chanteuse mais aussi d'animatrice et encore plus pour être la petite sœur de Lio. Elena Noguera est en ce moment à l'affiche de la saison 2 de la série TF1, Le Remplaçant. C'est elle qui a tenté de repasser le bac à 40 ans, a longtemps été mariée au chanteur Philippe Catherine. Mais en 2008, le couple se sépare. Si le comédien retrouve l'amour dans les bras de Julie Depardieu, Elena Noguera tombera amoureuse du cinéaste Fabrice Duwels. Mais cette fois encore, en janvier 2019, l'actrice se séparera de son compagnon, après 4 ans d'amour. Depuis quelques mois, l'actrice filerait le parfait amour avec une légende du sport français. Voici, le nouveau compagnon de la chanteuse serait Fabien Galthié, l'actuel sélectionneur du 15 de France. L'ancien rugbyman est une véritable légende du ballon ovale, en tant que joueur mais aussi en tant que sélectionneur, puisqu'il a emmené l'équipe de France à la victoire, samedi 19 mars, contre les Anglais lors de la finale du tournoi des Six Nations. Une jolie façon de faire table rase du passé et d'oublier les moments qui ont pu être compliqués avec ses anciens partenaires, à l'image de Philippe Catherine, je pense que l'amour, c'est une projection qu'on fait sur un inconnu. Il peut arriver que l'autre vous surprenne, dépasse même votre projection, et vous pouvez tenir 10 ans. C'est ce qui s'est passé avec Philippe Catherine, car c'était un esprit fantastique. Pénible, mais génial, avait expliqué la sœur de Lio au magazine Elle. Espérons pour elle que cette fois-ci son histoire d'amour dure pour l'éternité.